Salut salut les amis, c'est Fut4Fun, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo défi création d'équipe, DCE live, avec le défi Future Star d'aujourd'hui. Donc ce DCE là, il est assez chiant, honnêtement il est assez chiant. Il coûte pas excessivement cher, on va dire 6000 crédits, 7000 crédits grand max. On comptera ensemble. Déjà les deux là c'est 700, donc ça fait 1004, 2000, 2004, 2008, 3002, 3003, 4000, 4000, 5000, allez on arrondit, 5000, 5008 et 6500, ouais 7000 crédits grand max. Il fallait 6 clubs maximum, 6 joueurs de même championnat maximum, 4 joueurs de même club maximum, 1 joueur rare, une note générale à 77, un collectif à 85. Donc moi je suis à 87, mais regardez, j'ai 2 joueurs qui ont le bonus de fidélité. Je sais pas si ça va changer grand chose vu que c'est que des joueurs de Lille là. Mais bon, on va bien voir. On commence avec Mike Maignan, Mehmet Zeki, Selic, Adama, Soumaoro, Joris Nagnon, Denise Tourouk, Alper Potouk, Tolgay Arslan, Marcus Thuram, Abdoulaye Djabi, Fabian Johnson et on termine avec Burak Yilmaz. Donc le principe en fait c'est que le gardien et les trois défenseurs centraux, de préférence vous le mettez, vous prenez du même club. Après c'est compliqué hein, mais vous essayez de prendre du même club. Ou alors au moins une nationalité qui correspond quoi. Vous voyez là j'ai trois français, Nagnon il est à Rennes. Parce que Fonte était trop cher. Mais au final j'arrive à faire un lien avec Thuram et après c'est deux joueurs du même club. Là c'est pareil, c'est deux joueurs du même club. Et là c'est trois joueurs du même club. Donc en gros ben, si vous voulez avoir 85 de collectif, il faut prendre du même club quoi. Allez on soumet l'équipe. Pack joueur Electrum rare. On va aller l'ouvrir même si c'est pas échangeable, c'est pas grave. Alors, pack joueur Electrum rare, il est là, c'est parti, ah. Voilà, vous avez vu, je vous avais dit 700, hein, c'est pas des conneries. Allez, pack joueur Electrum rare, c'est parti. Animation ou pas animation, et on aura une animation, allez, c'est parti. Un joueur de l'équipe de la semaine, je crois. Portugais, MDC, Porto, hein, c'est même pas le joueur de l'équipe de la semaine. J'ai craqué. Danilo Pereira, bon, c'est de la bonne merde. Hein. Mais bon, on va dire que c'est une anime quand même. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ça fait toujours plaisir. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao les amis.